les Camerounais. Mais vous êtes terrible, hein? J'ouvre Facebook, je vois seulement qu'on a annoncé la mort de mon vrai bébé. Je passe sur sa page. Heureusement que c'est lui-même qui répond. Aïe! Mon frère, on peut faire ça à quelqu'un? Les gars, si c'était vous, vous ouvrez Facebook comme ça, vous tombez sur une, sur un post pareil. Vous allez vous comporter comment? Regardez comment l'enfant de truie a rougi. Regardez. Le Cameroun, c'est le seul pays là où tu meurs, toi-même tu ne connais pas. Les gens connaissent que tu es mort avant toi. Il n'y a que les hypocrites, les 100 personnalités qui se font aimer par tout le monde. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Combien de fois moi le goûte? Ce n'est pas tout le monde qui est intelligent pour comprendre les messages que je véhicule subtilement dans mes vidéos. Leur cerveau et leur yabat ne leur permet pas de voir le fond de mes messages. Quand quelqu'un se met déjà à penser jusqu'à y poster que je suis d'âge, c'est des choses qui peuvent jouer même sur moi si je suis faible spirituellement. Pourquoi vous me yayez battre? J'avais parlé le oui du pays ici. Quand mon nom est sorti au CER à Yaoundé, parce que je défends la cause des jeunes Camerounais. C'est vrai que je suis un voyou, tout le monde a ses défauts. Je ne suis pas parfait, mais jusqu'à me souhaiter que die, oh maman, vous ne pouvez jamais me faire tomber. C'est Jésus et le bang à ma force. Vous ne savez pas protéger ceux qui protègent vos causes. Vous aimez que le Congo ça ait les 100 caleçons sur internet. Moi, je pouvais me décider à faire uniquement les sorties qui dénoncent les choses. Je ne suis pas né avec la peur. Vous serez les mêmes à venir me dire que mon petit reste dans ton concept. C'est vos stars là qui ont les concepts. Moi, il n'est pas les concepts. Quand j'ai quelque chose à dire, place ma caméra devant moi, même si je suis sans caleçon et parle, je pose. Ce n'est pas un concept, c'est comme ça que je suis. Beaucoup m'ont tagué sur la vidéo, si je suis allé regarder. Il a posté ça avec un faux compte. Sa chance, il avait peur du répondant. Tu peux y abattre quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord avec la personne. Ça se comprend, c'est ton droit. Mais si tu souhaites déjà que quelqu'un die, ça c'est déjà le wish. C'est ça être star au Cameroun. C'est-à-dire que quelqu'un voit comment tu montes en puissance. Il ne te connaît même pas personnellement, mais c'est comme si on prépare le haricot dans son cœur. Ça boue. La sorcellerie commence toujours par la jalousie. Ça ne va rien vous donner. Ceux qui me connaissent réellement, qui m'ont déjà rencontré dans la vraie vie, ils peuvent vous témoigner en commentaire que je suis quelqu'un de bien. Et je ne dis pas ça pour faire genre, je n'ai pas un mauvais fond. Ne comprends même pas ceux qui ne me yamont pas. Vous êtes seulement bornés. Vous avez mis vos cerveaux dans la poche. Vous ne voyez pas que je défends la cause des Camerounais dans presque tous mes contenus. La jalousie, c'est pour les faibles. Vous bavardez, mais vous êtes toujours dans mes commentaires que yo, on n'aime pas ton contenu. Vos petits culs. Les contenus, c'est pour les donnements de plein. Si vous aimez trop l'église, allez vous abonner à Indira. C'est Jésus-Christ, ma force. Même l'inspiration que vous dites que j'ai là, c'est le vécu. C'est Dieu qui donne. N'est pas volé quelque part. Ne me jalousez pas. Mon frère, tu m'as souhaité la die. Tout ce que je peux répondre à ça, c'est que Dieu te bénisse, mon frère, qu'il apaise ton cœur. Parce que je ne peux jamais souhaiter ça à quelqu'un. Maman, les gars, vous êtes bâte. En tout cas, mon petit, c'est ça la stamania. C'est aussi l'inconvénient de la stamania. Tiens bon, mon petit. J'imagine que si c'est moi-même qui passe sur Facebook, je vois ce genre de choses. Et toi, c'est qui? Laissez ça, c'est parce que vous avez faim que vous le soutenez. Sinon, il est dans le dème. Tous les Camerounais qui pensent comme ça, je ne sais pas s'il y a déjà les élections dans vos têtes avec mes frères Bami. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le seul Bassa qui a payé que vous êtes jaloux. Papa et toi, un peu comme le petit frère geek là, avec les lunettes comme ça qui écrit le nom de Baba Gaïssa. Quand il écrit ton nom comme ça, ça te chope et le professeur te punit. Alors que le seul que le petit frère là vous demande de faire, c'est de ne pas bavarder dans sa salle de classe. Vous pouvez aller bagarrer dans d'autres salles, mais dans sa salle, vous ne bavardez pas. C'est lui qui est responsable. Les gars ne comprennent pas quoi dans le schéma de Papa et toi. Papa et toi, il y a un que toi-même tu dois y aller. Tu n'étais pas un grand joueur comme tu dis souvent qu'il était un très grand joueur. Tu étais une légende. Quand on parle de grands joueurs, on parle de gars qu'on les dit des trombas comme ça, c'est le fiston de Eto. Et entre parenthèses, les Ivoiriens vous mettent comme vous tous, vous méconnaissez. C'est ça que la situation vous fait un peu rire. Vous croyez que vous êtes trop hype. Va bien. Il y a combien de légendes au Cameroun jusqu'à vous jouer avec vos légendes? Papa Eto est le mauvais bébé. Il y a qui? On doit protéger Papa Eto comme un neuf, surtout contre les blancs. Parce que c'est comme ça que la mentalité de la colonisation là naît dans leur esprit. Quand ils voient un blanc chez nous, t'es ni tête à un président. Malgré ça, c'est ça que même l'érection tu l'as pas. Tu me fais beaucoup penser à Dexty. On te dit que tu vas entraîner les lions indomptables de Papa Eto. Ne fais même pas la bonne communiquer pour exprimer ta joie. Gâté. J'ai avec notre Jésus, tu es venu nous sauver. Quand le gamin te parle, tu reprends. Pourtant, tu n'as même pas encore un match avec nous. Le courage là d'abord sort d'où si ce n'est pas que dans ta tête que l'homme blanc dépasse le noir. Mais papa et toi, il t'a envoyé une balle. Moi-même, j'ai Yassine là. Parce que là, papa et toi, dit que j'étais un entraîneur. Il reprend nonchalamment pendant que lui est entraîné 3 semaines. Papa et toi, il peur que tu lui donnes d'abord un clap. Que l'esprit de Youbel va monter. La balle là est d'où? Va perdre sur le gamin maintenant. Ma brise à le répondant. Si on fouille bien, c'est même pas facile. Vous étiez seulement en train de regarder la cam. Vous avez vu le bureau là. Dans le Resident Evil, les anciens bâtiments de l'époque de Yabaya. Pourtant, l'argent qui tourne là-bas, ce sont les milliards. Oh, oh, les rimes sur vous maintenant. J'espère que les Ivoiriens n'ont pas vu la partie là. Parce que les bureaux là qui est vieux, monsieur, demain, si c'est les anciennes écoles primaires, je n'ai pas compris le modèle. Ha! Mon Cameroun, non. Les Camerounais, ne faites pas l'erreur que les Ivoiriens avaient d'où? Avec Didier Raffa. Les Ivoiriens que vous voyez, ils peuvent mélanger toutes les légendes. Ils les envoient ici seulement pour que le Gambé parte habiter là-bas même pour 2 mois. Vous connaissez même le Gambé? Il n'y a pas le blanc, vous voyez, toi, il s'évanouit. Ma brise, quand tu fais là-haut, comment pouvez-vous pas t'évanouir jusqu'à tu coches? Le Cameroun ne devrait pas être au niveau si. Tu fuis même les codes, tu veux devenir influenceur, que tu crées des contenus. Tu te lèves le matin, il ne veut pas au travail. Bah, il va trouver même le travail avant toi, il veut revenir le soir. Mais papa, il te pardonne. J'agis plus trop avec les émotions. Et Allah a décidé, on a trop un bon cœur. Le connais. Tu sors de loin. Tu n'es pas encore zombifié. C'est pour ça que la rue t'a validé, grandi une légende. Parce que sortir une nouvelle, arriver à l'autre bout du monde,
C'est presque impossible. Les bénédictions de Dieu, j'ose croire que c'est Dieu qui t'a béni. Moi, je pense qu'un grand leader, c'est celui qui écoute aussi beaucoup ses partenaires. Parce que c'est quand vous reprochez au ministère des Sports, c'est qu'il n'a rien à foutre de la réunion là et tout, c'est papa Eto'o qui assume tout ce qui se passe. C'est la même chose qu'on pouvait dire à Eto'o avec les entraîneurs. Parce que c'est comme si papa Eto'o fallait seulement un entraîneur qui va pouvoir manipuler. C'est pas que les supporters m'a blessé. Mais il faudrait qu'on laisse le libre arbitre à l'entraîneur. Parce que même à Barcelone, la porte n'a rien à Xavi. C'est quand Xavi aime bien qu'on peut maintenant juste non. On laisse la liberté à l'entraîneur d'exprimer son travail. C'est qu'on reproche au ministère des Sports, on peut dire la même chose à Eto'o. Il est président, il n'est pas entraîneur. Bienvenue au laboratoire Photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672-30-37-85-697-39-27-28.